Bonjour mes chers amis, bienvenue en notre nouvelle émission La parole aux écrivains dans le cadre de notre cercle littéraire Le Rendez-vous Rive Gauche avec aujourd'hui Bartabas. Bonjour Bartabas. Bonjour. Cher Bartabas, merci de votre présence. Merci de nous accueillir avec tous nos amis pour rendre hommage à tous vos chevaux. Pour certains, ils sont déjà décédés, d'autres encore vivants. Autour d'un cheval Lotte, publié chez Gallimard dans la collection Blanche. Un récit, un autoportrait, plein de poésie, de sensibilité, avec des citations personnelles en ouverture de chaque chapitre. Et cet hommage nous permet de mieux vous connaître, vous révéler, nous offrir aussi de vos leçons de vie, une philosophie de vie, et aussi comment vous avez pu vous construire dans votre rapport au monde. Alors vous nous dites, les chevaux sont les maîtres à qui je soumets mon destin. Je ne voulais pas vivre ma vie, je voulais vivre mes rêves. Alors, ce destin, il commence quand et quand a été la première rencontre vers Tabas? La psychanalyste ou quoi? Non, pas du tout. Non, voilà, bah, comme je raconte dans le livre, c'est pas tellement, l'idée n'est pas de raconter ma vie, c'est pas une autobiographie, quoi. Je veux dire, c'est vraiment faire un portrait de tous mes chevaux et à travers eux, évidemment, parler de moi, quoi. Comme tout auteur, je pense. Mais voilà, donc c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans ce processus de alors votre vie, comment ça, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de montrer comment chaque cheval m'a construit l'un après l'autre. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que quand j'ai commencé le projet de ce livre, je ne sais pas si vous avez raconté, sa structure est assez particulière. C'est-à-dire que comme l'aventure avec chaque cheval parfois peut durer très longtemps, presque jusqu'à 30 ans pour certains chevaux, je voulais qu'on sente bien cette notion de temps. Donc plutôt que de traiter cheval après cheval, je les énumère dans un ordre de leur rencontre, et ensuite ils courent pendant le livre comme différents chapitres, comme différents personnages d'un roman qu'on retrouverait chapitre après chapitre, ou 10 ans après, 20 ans après, pour bien avoir cette notion de temps. Et donc, quand j'ai commencé le projet, j'ai décidé de les écrire dans l'ordre. C'est-à-dire que j'ai fait un travail de mémoire, mais de mémoire, pas, j'allais dire pas de mémoire historique, de mémoire sensitive. C'est-à-dire que l'objet de la démarche était vraiment de dire qu'est-ce que chaque cheval m'a laissé, mais vraiment, j'allais dire à la vertèbre près, hein, je veux dire à l'os, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il m'en a laissé comme souvenir physique. Parce qu'évidemment, le rapport qu'on a avec le cheval passe par le corps, un cheval ne parle pas. Donc, les sentiments que l'on peut vivre à travers lui passent d'abord par son corps, par mon propre corps, comme par le sien, quoi. Et donc, c'était un travail vraiment d'essayer de dire, bah, tiens, celui-là, si je devais le décrire, qu'est-ce qui m'a laissé ? Plutôt que d'essayer de les décrire historiquement, en donnant l'importance qu'ils ont eue dans l'aventure du théâtre Zingaro ou pas, ce n'était pas vraiment le propos. C'était vraiment le propos de qu'est-ce qu'ils m'ont laissé. Et donc, dans ce qu'ils m'ont laissé, en quoi ils m'ont construit. Et ça, c'était la démarche un peu, j'allais dire, qui était très intime, très, très particulière, hein, d'arriver à décrire la sensation. Vraiment physique, c'est même pas le cas de le dire, vraiment la sensation oui, physique dans un certain sens, un peu comme c'est comme si un violoniste décrivait les sensations qu'il avait en jouant avec son violon. Il raconte pas la partition, il raconte pas le concert, il raconte vraiment le sentiment de ce que lui procure le violon. Et moi, c'est ça que j'ai cherché dans chaque cheval. Qu'est-ce qu'ils m'ont laissé, qu'est-ce qu'ils m'ont procuré comme émotion, et qu'est-ce qui a traversé le temps. Voilà. Et donc, ce qui a traversé le temps, c'est ce qu'ils m'ont laissé, ce en quoi ils m'ont construit. Mais à chaque histoire, parce que c'est une véritable histoire de couple, et d'histoire d'amour, elle est, chacune est différente, unique, comme vous venez de le dire. Ce que vous dites par rapport à la sensibilité et comme vous accompagnez l'un et l'autre, au cours du livre, dans la lecture, nos amis verront que c'est comme une communion, parce que une communion d'âme, à chaque fois c'est différent, mais il n'y a pas de parole, hein,
vous ne vous confiez pas que vous leur parlez, mais il y a des pages où vous, à chaque fois, par l'écrit bien sûr, vous nous confiez ce rapport charnel, sensuel que vous avez avec eux. Et c'est ce que vous avez voulu nous montrer, que ce rapport est toujours différent, donc il y a une communion différente, bien qu'elle soit toujours dame à âme. Ah ben évidemment, c'est que chaque cheval a son caractère, est un être vivant à part entière. C'est comme si vous vouliez raconter les souvenirs que vous avez une rencontre avec une personne, mais en fait, il n'y a jamais eu de mots. C'est-à-dire vous allez décrire une caresse, le souvenir d'une caresse, voilà, ça se situe à cet ordre-là, quoi. Sauf que là, c'est dans le travail. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que, à travers toutes les années, je peux dire que j'ai assisté à, au-delà de chaque cheval, au-delà de l'aventure qui a été la rencontre de chaque cheval, que j'essaie de décrire, ça, sur le côté, on va dire, romanesque. C'est d'ailleurs assez drôle parce que je me suis aperçu après, en les ayant tous écrits dans l'ordre, qu'en fait, ils suivaient même l'évolution artistique de mon travail. C'est-à-dire que les premières rencontres sont très céliniennes, j'allais dire. C'est très. Oui. Vraiment, les débuts de Zingaro, voilà, c'était célinien, quoi. C'était vraiment la débrouille. C'était assez haut en couleur. Et puis, plus on avançait dans le temps, dans les années, voilà, plus ça s'est normalisé, on va dire, et plus la rencontre est devenue plus intériorisée. Plus sensible de l'intérieur. Et donc, c'est assez drôle parce que chaque rencontre avec chaque cheval suit un peu l'évolution de l'aventure du théâtre Zingaro, mais sans vraiment vouloir l'écrire, vraiment en restant encore une fois sur chaque cheval. C'est pas, je ne raconte pas ma vie, mon œuvre. Je voulais faire un portrait de ma relation avec eux. Ça, pour moi, c'est très important. C'est là où je dis, c'est, évidemment, c'est autobiographique parce que je parle de moi, forcément, mais ça n'a jamais eu la prétention d'être une biographie de moi ou du théâtre Zingaro. C'est important. Ensuite, bien sûr, la rencontre avec chaque cheval est différente, mais j'allais dire, ce qui est important, c'est ce que vous allez chercher dans le cheval, en fait. Tu t'aperçois qu'avec le temps, toi, en mûrissant, tu ne vas pas chercher dans la rencontre avec l'autre la même chose. À 20 ans, je ne vais pas chercher dans un cheval la même chose qu'à 60 ans. Heureusement pour moi, quoi. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est ce que les chevaux vous donnent, mais en fait, c'est ce que vous avez essayé de vous faire révéler par eux, quoi. Et ça, c'est quelque chose pour moi de très, très important. C'est-à-dire que voilà, moi, je suis un homme de peu de mots, hein, je parle beaucoup. Voilà, et c'est, les chevaux m'ont appris à les trouver, en fait. Parce que c'est pour ça que je dis que chaque fois que je travaille le matin à cheval, c'est un entretien silencieux. Un entretien silencieux. Par les temps qui courent, vous voyez, j'en suis amené à se dire que je me dis plus de choses avec mon cheval le matin que ce que j'entends à la radio toute la journée, quoi. Oui, alors, je n'entends que des mots qui n'ont aucune portée, en fait, quoi. Alors que la réflexion qu'on peut avoir à cheval, au-delà du travail, mais dans le travail, ça c'est important. Ce n'est pas juste la contemplation de l'animal. Voilà, c'est pas, voilà, je ne suis pas en train de contempler une panthère des neiges. Hein. Je veux dire, c'est à travers le travail avec le cheval que se révèle quelque chose. Et ça, c'est important parce qu'on peut même dire que j'assiste en nous éduquant mutuellement, j'assiste un peu à ce qui a été le chemin peut-être de l'homme vers son humanité. C'est ce que j'allais vous dire. Que j'aborde le premier est un cheval, un animal, et quelque part, peut-être, au bout de 30 ans de travail, il n'est plus tout à fait un cheval. Mais est-ce que ce serait ce que vous nous confiez avec, alors le premier, quand même, on peut le nommer, hein, Zingaro, vous dites, cette nuit-là, alors vous venez de l'accueillir, et vous allez le retrouver à l'écurie, et vous dites, cette nuit-là, nous avons fait un pacte pour la vie. J'allais contaminer son animalité. Il allait me permettre d'exister parmi les hommes. Aux humains de mon espèce, nous allions nous révéler pour la vie. C'est vraiment c'est l'illustration de ce que vous venez dire. Oui, bah parce que Zingaro, ça a été le premier cheval qui a donné son nom au théâtre. Donc, c'est celui qui nous a permis d'exister, qui a été un peu le symbole pendant presque 17 ans. Et en plus, comme il travaillait en liberté avec moi, c'est un rapport très particulier. C'est un cheval que je n'ai jamais monté, sauf une fois, comme je le raconte. Oui, racontez-la quand même cette fois-là, parce qu'il y a un beau contraste. Il y a à lire le livre, je ne vais pas vous raconter le livre, voilà. Mais, c'est quelque chose d'assez particulier, parce que c'est un cheval que je n'avais jamais monté. J'ai travaillé pendant 10 ans à pied, au bout de 10 ans, un jour, ça m'a pris comme ça en Toscane. J'ai décidé de mettre une selle dessus, de lui mettre un filet et de sortir, ce qui n'est déjà pas très prudent et pas très raisonnable. Mais je connaissais tellement que. Mais ce qui était intéressant, c'est que.
tout bon cavalier que je crois être, quand on est sur un cheval qui n'a jamais été monté, on n'est qu'un humain transporté, parce que les codes n'ont pas été construits de l'homme sur le dos du cheval. Donc on n'est qu'un passager. Donc je me suis retrouvé dans cette position qui est assez rare pour moi, être un passager sur le cheval, n'ayant pratiquement aucun pouvoir sur la direction du cheval ou autre. Je pouvais tout juste indiquer une direction, et en fait le cheval a été où il voulait, quoi. Et c'était une sensation très très particulière d'être un cheval en liberté. Ah oui, vous dites, l'espace d'un instant, moi aussi je suis devenue cheval, j'ai reçu comme une hallucination tellurie de connivence avec le cosmos, c'est quand même pas rien, elle m'a rempli de joie. Ça doit être un grand moment encore dans votre histoire que vous nous faites partager. Et oui, c'est des moments un peu intimes que je n'avais jamais vraiment racontés, justement. Là, on en vient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que pour moi, écrire ce livre a été un peu une révélation, parce qu'il faut bien se mettre dans le contexte. J'ai affaire, de par mon métier, avoir un rapport médiatique avec la presse, les journalistes, les interviews. Or, il faut bien reconnaître que c'est un sujet assez intime. Le fait de travailler avec des chevaux est assez particulier. Ils ne rentrent pas dans des cases habituelles. Et quand on est face à une espèce d'échange de discours qui est habituel maintenant dans les médias, où on a 4 secondes pour répondre à une question essentielle qui tue, je veux dire, avec l'intervieweur qui regarde sa montre pendant que vous parlez et qui a la bouche ouverte pour essayer de choper la fin de votre phrase pour poser une autre question, il est impossible d'aborder des sujets. Et surtout, on peut même être vite ridicule. C'est-à-dire à parler de la relation avec un cheval. Voilà, et donc, pour moi, seule l'écriture, et j'allais dire la littérature, même, me permet d'exprimer vraiment ce que j'ai au fond de moi-même. Quoi. Et je vais plus loin. La révélation, ça a été que pour moi, la seule vraie parole est la parole littéraire. Quoi. Et surtout, je pense au jour d'aujourd'hui, où la parole n'a plus beaucoup de valeur, où tout le monde parle, mais personne ne s'écoute. Et je pense que seule la parole écrite est important, parce que c'est la seule qui permet de doser, de préciser ce qu'on veut dire, l'intention, l'émotion qu'on veut mettre dans chaque mot. Et moi, vous savez, j'ai rapproché le travail de l'écriture au travail de monter à cheval, de dresser des chevaux. Parce qu'en fait, quand on dresse un cheval, on ne fait que peaufiner un mouvement, le répéter, jusqu'à temps qu'il ait l'émotion, l'équilibre juste, exactement comme quand on écrit, on peaufine un texte, on peaufine une phrase, jusqu'à temps qu'elle ait l'équilibre voulu, qu'elle sonne exactement comme on veut. Et à cheval, on ne fait que ça aussi. Vous aviez le désir, avec l'écriture de ce récit et de cet hommage que vous rendez à vos chevaux, de fixer quelque chose, vous qui êtes toujours dans le vivant, pour une fois. Oui, bah c'est sûr ce que je disais au début, ça a été un travail de mémoire, quoi. C'est pas tellement de fixer pour le non, c'était plutôt d'aller. Moi, je dirais que c'est peut-être un. Maintenant, je le sais. Maintenant, je peux vous dire ça. Je n'aurais pas dit au moment où j'écrivais. Maintenant, je sais pourquoi j'écris ce livre. C'est pourquoi. C'est pour leur. Adieu à mes chevaux. Pour leur dire adieu. C'est évident qu'il est évident qu'une fois que tu as fait ce travail-là, que tu le veuilles ou non, quelque part, tu te détaches de la chose. Et c'est quelque chose d'assez particulier que maintenant, je savais comme ça, mais que maintenant, quand je dis je sais, parce que maintenant je le ressens, donc je le comprends. Hein. Quand on est dans le spectacle vivant, voilà, on est des artisans, on est en permanence dans le faire, dans l'action. Voilà, notre préoccupation, c'est jouer ce soir, qu'il n'y ait pas d'incident, de remplacer un tel qui est blessé, de répéter ci, de répéter ça. Enfin, voilà, on est tout le temps dans l'action, en permanence. Un jour efface l'autre, en permanence. Quand on est un artiste, c'est pour ça que moi, je ne me considère pas comme un artiste, je me considère plus comme un artisan, hein, quand je fais mes spectacles à Zingaro. Mais quand on fixe une œuvre, c'est-à-dire que l'on soit peintre, écrivain ou cinéaste, on fixe une œuvre figée. C'est-à-dire à l'instant où elle est finie, voilà, elle ne vous appartient plus, elle est morte quelque part. On pourrait dire qu'en tant que Zingaro, je pratique des arts vivants, mais en tant que Bartabas écrivain, je pratique un art mort. Moi, j'appelle ça des arts morts, ce n'est pas très beau comme terme. Non. C'est-à-dire que du moment où l'œuvre a été terminée, elle est morte, elle ne vit plus. Elle vivra dans le cœur des autres, dans la lecture des autres. Vivant vit dans le regard des autres, mais elle n'est plus par rapport à toi, par rapport à l'auteur, elle n'est plus en action. Voilà. Et donc, effectivement, d'avoir écrit ce livre, c'est une manière de quelque part, de bien sûr, de célébrer mes chevaux, de leur rendre hommage,
mais quelque part de leur dire adieu. C'est-à-dire, j'ai réglé mes comptes, hein, j'ai payé ma dette. À leur égard, mais... C'est particulier, hein. C'est pas intellectuel, hein. Je vous dis ça parce que oui, vraiment, c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé au début du projet de ce livre. Mais maintenant qu'il est fini, tout d'un coup, je me sens comme soulagé de quelque chose par rapport à le fait de l'avoir dit, le fait d'avoir pu l'expliquer, de l'avoir dit avec mes mots. Voilà, c'est... Oui, mais c'est peut-être votre... C'est une, aussi une façon de la transmission, de votre transmission personnelle. Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout pour donner une leçon ni pour faire un exemple. Non. Si j'avais voulu écrire un traité d'équitation, j'aurais écrit un traité d'équitation. Ah non, je ne parlais pas dans ce sens-là. Un traité de théâtre. Non. Oui, pardon. Non, je ne parlais pas de transmission dans ce sens-là parce que vous avez un art particulier de dresser, de vous en parler très bien. La façon dont vous communiquez avec eux, la façon dont tout passe par le corps, vous parlez même de vocabulaire, de grammaire, de poésie avec eux. C'était cette transmission qui, à travers le livre, était possible puisque vos spectacles ont vocation à être éphémères. Vous jouez et puis après, voilà. Donc, c'est une autre façon aussi de... Oui, ben, comme je vous l'ai dit, le spectacle vivant n'existe que dans le regard et dans la mémoire des gens qui l'ont vu, hein. Et comme je l'ai dit dans le livre, d'ailleurs, les histoires de théâtre sont les premières à disparaître, quoi. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de trace. On peut toujours voir un vieux film, revoir un acteur qui est mort depuis des années, écouter un musicien qui est mort depuis des années. Voilà. Dans le spectacle vivant, ça n'existe pas. Donc voilà, ça n'a rien de tragique. C'est une façon d'aborder le... C'est pour ça que je dis souvent, je ne me considère pas comme artiste. Moi, je suis pris dans un artisanat plutôt Alors, d'autant plus nous, parce qu'on est tout le temps en train de tourner. Voilà. Par exemple, pour nous, en ce moment, la situation-là de s'arrêter, j'ai réalisé tout d'un coup que depuis presque 40 ans, c'est la première fois que j'arrête de jouer pendant 2 mois. Quoi. C'était jamais arrivé. On est tout le temps en tournée dans le monde entier, tout le temps. Sauf quand on répète, mais bon, dans un processus de création. D'un coup, tout est un peu figé comme ça, quoi. Et voilà, alors que pour d'autres métiers, je suppose que pour un écrivain ou pour un peintre, des périodes comme ça un peu latentes, on est entre des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, quoi, parce que ça permet de se nourrir d'autres choses. C'est peut-être la définition de votre vie, de votre liberté aussi. Quand vous dites qu'ils vous ont donné la clé de votre théâtre intérieur, ou bien sûr le sacerdoce qu'ils imposent réduit mon espace de vie. Mais c'est à leur côté, en caravane les roues sur terre, que j'ai trouvé la liberté, celle de les servir. C'est... Oui, ben ça, c'est un peu, je veux dire, c'est classique, quoi. Il y a la liberté, ça n'existe pas, quoi. Hein. On a les libertés de changer. Bien voilà, on pourrait dire qu'on dit souvent que le cheval est la plus noble conquête de l'homme. Moi, j'ai tendance à dire que c'est le contraire. C'est-à-dire, je suis la noble conquête des chevaux, quoi, parce que je suis enchaîné à eux, quoi. Mais bon, ça, c'est une évidence, quoi. Vous êtes enchaîné. Cheval à Zingaro, voilà, il fait partie de la famille, mais il est comme un enfant. On doit l'assumer 24 heures sur 24. On doit lui faire son lit, on doit le soigner, on doit le nourrir, on doit le sortir, le travailler, voilà, l'assister en permanence, en fait. C'est parce qu'on l'a mis aussi dans cet état-là, quoi. On en a fait un partenaire, et il y a un prix à payer en échange. Et d'ailleurs, quand ils partent, vous nous confiez que vous tournez le dos et que... Vous ne voulez plus vous passer à autre chose, malgré tout, assez rapidement, entre guillemets. C'est pour vous protéger. J'ai manqué de courage, c'est ce que je dis dans le livre, oui. C'est-à-dire que souvent, je préfère ne pas les revoir quand je les confie à des gens, je les donne. Mais voilà, après, nous, on continue, Zingaro continue sa vie, donc c'est encore une fois, voilà, Zingaro, c'est un vélo, hein. Quand il s'arrête, il tombe, donc on est tout le temps en train d'avancer. Et donc, je n'ai pas le temps de me retourner. C'est peut-être un mauvais prétexte. C'est parce que je n'ai pas vraiment le courage de le faire. D'aller évidemment, les chevaux, quand ils partent d'ici, ils sont même à très âgés, sont dans un état magnifique parce qu'ils sont entraînés physiquement, psychologiquement. Et le fait de les changer, le fait même de les voir vieillir, se défaire musculairement, que ça devienne des vieux chevaux, c'est quelque chose qui m'a toujours fait un peu peur. Sauf une fois, je le raconte d'ailleurs de l'horizon, que j'ai été revoir un des rares chevaux que par hasard j'ai revu parce qu'il était dans un haras près de Versailles. Maintenant, il est mort d'ailleurs. Et j'ai été étonné. Ça a été pour moi un soulagement. Souvent, les gens ne comprennent pas ça. C'est que quand j'ai été revoir, le cheval ne m'a pas reconnu, quoi. Et ça m'a fait très plaisir.
alors que je l'avais eu pendant 30 ans. Quoi. Pendant 30 ans, on s'était entretenu tous les matins. Et là, un an après, il était devenu un cheval dans un pré. Il avait commencé une autre vie. Il n'était pas dépendant de moi. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Quoi. Je raconte que je suis parti en voiture, il était en train de regarder la jument d'à côté. Quoi. Voilà, et donc et pour moi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que voilà, je n'ai pas rendu l'animal dépendant de moi-même. Je l'ai peut-être enrichi au cours du travail, puisque ce cheval-là, en plus, était devenu comme une espèce de maître de yoga, je disais, parce qu'il continuait même très âgé à faire son air d'école, le piaffé, de manière incroyablement souple et élégant, parce qu'il avait compris qu'il ne fallait utiliser que l'énergie dont il avait besoin. Donc ça, pour moi, leçon à travers le travail, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est dans des choses comme ça, je veux dire, c'est du concret. Hein. C'est à travers un air d'école qu'il a pratiqué toute sa vie, il a compris des choses qui sont de l'ordre d'un maître yogi. Quoi. Et c'est en ça que je dis que tout d'un coup, ce n'est plus tout à fait un cheval. Vous voyez, c'est important hein, cette notion-là. Oui, que c'est pas l'accomplissement d'un travail. On n'est pas en train de parler d'un chien ou d'un chat qui cherche à imiter l'homme. Et on dit, oh, regarde, il est presque humain parce qu'il vous regarde, c'est un épagneul et qu'il vous regarde comme ça, ou qu'il a des attitudes humaines, ou qu'il a un comportement sur le vôtre. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Moi, je parle vraiment de lui avoir permis d'avancer dans une réflexion à travers un travail. C'est ça que j'appelle le cheminement. Que peut-être nous avons connu il y a des siècles et des siècles, d'arriver à l'état humain. Ça s'est passé très lentement par différents sens. On est passé de l'état animal à l'état humain, entre guillemets, de manière très progressive. Et quelque part, en travaillant avec mes chevaux, j'ai l'impression parfois, sur un long temps, sur 10 ans ou 20 ans, comme ça, avec le même cheval, d'assister un petit peu à cette évolution aussi. Oui, mais à vous lire, me semble-t-il, il y a, nous sommes des humains, mais avec encore une part d'animalité bien présente. Et votre rapport, cette complicité, cette communion que vous avez avec vos chevaux, révèle aussi qu'ils permettent d'être humain également. Ça va dans les deux sens, quand même. Il n'y a pas que les faire avancer. Je vais vous expliquer. Eux s'humanisent. Et eux nous font cadeau un peu de retrouver notre instinct animal. Oui. Moi, les chevaux m'avaient appris à respecter mon instinct. Et quand on est un créateur, c'est très important. Oui. C'est qu'à un moment, il faut avoir confiance en soi. Et bien sûr, il faut douter. Bien sûr, je ne fais que douter. Mais à un moment, il faut dire, voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que ça doit être. Voilà, et ça, c'est ce que j'appelle faire confiance à son instinct, quelque part. Exactement. Pareil dans les gens, pareil dans... Voilà. Et ça, c'est les chevaux qui m'ont beaucoup aidé à ça. Et c'est ce qui vous permet d'avoir... Comment vous vient l'inspiration ? C'est justement en contact avec eux ou c'est, comme vous dites, un écrivain qui va être inspiré pour un sujet ? Comme je le dis dans le livre, ça part toujours d'un cheval. C'est une partie à chaque création, ça permet de revenir au début de l'histoire. Quoi. C'est-à-dire de repartir de l'essentiel, qui est la matière. Quoi. La matière animale, la matière, quand je dis la matière, c'est physique même. Hein. Ah oui. Les spectacles ne sont pas visés. C'est en travaillant à la matière que viennent. Bien sûr, il y a une question au départ, il y a un thème, on va dire, une espèce, qui est le point de départ d'une qui est le point de départ d'un travail, d'un mouvement qui va aller jusqu'à la création. Voilà. Et après, il est nourri par le travail quotidien, par le travail quotidien, soit que l'on fait pendant les répétitions, soit que l'on a emmagasiné pendant des jours et des jours précédents. Et je vous pose cette question parce que ça fait penser à votre dernier cheval Tsar que vous avez en ce moment et avec lequel vous allez nous offrir les entretiens silencieux à l'automne. Là encore, voilà, on est en décembre chez nous dans le cadre du festival d'automne. Voilà, c'est ça. Donc ça sera un solo, c'est vraiment revenir à. Je dis ça, peut-être ce sera mes adieux à la selle, je ne sais pas, en tout cas pour mon public, pour moi de me présenter en public, parce que voilà, j'ai retrouvé un peu à travers ce cheval l'envie, j'allais dire, de montrer autre chose, j'aime pas me répéter quoi. Et voilà, et ce qui m'intéresse avec ce cheval, qui est un cheval assez très particulier, parce que c'est un espèce de géant d'1m92 et qui a un gros problème à l'épaule, donc qui est blessé en fait, qui est un cheval pébrin, noir quoi. Et donc il oblige à un travail très très en finesse, très à l'écoute, très progressif, parce que c'est un cheval qui a un handicapé, on pourrait dire presque, et voilà, qui a une personnalité très étonnante. Et j'aimerais faire ressentir, en fait, je trouve qu'il est plus intéressant de montrer un homme et un cheval qui s'apprennent
plutôt qu'un homme et un cheval qui savent tout et qui montrent quoi. Voilà, et donc pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, est-ce que ça plaira au spectateur? Est-ce que le spectateur arrivera à rentrer dans cette complicité, dans cette écoute, montrer deux êtres qui s'écoutent en fait? Et donc, voilà, je vais gommer tous les artifices là, pour finir que j'ai utilisé pendant des années et des années, puisqu'il n'y aura pas de musique. Voilà, il n'y aura pas de lumière, enfin d'effet de lumière, pas de musique. La seule musique, ce sera le cheval. C'est-à-dire qu'avec l'IRCAM, on va sonoriser la respiration du cheval, certains sons, disons, pas pour en faire une musique, pour représenter un peu ce que moi j'entends quand je suis à cheval. Voilà, c'est juste ça. Et puis voilà, ça sera des entretiens au pluriel silencieux, parce que chaque soir sera différent, en fonction du cheval, en fonction de ce qui se passera avec lui. Comme une séance de travail voilà, qui évolue en fonction de l'écoute du cheval, ses réponses aussi. Un aboutissement et un commencement pour vous? Je ne sais pas, toujours les grands mots là. Ce n'est pas des grands mots, bon, là, ce sont des mots tout simples. C'est un peu audacieux quand même, mais bon. Si, vous dites que là, ça va être épuré. Nous verrons ce que la vie nous réserve. Alors, cher Bartabas, un mot, une citation, parce qu'on pourrait lire le livre, là, c'est des citations, donc je laisse nos amis le découvrir, d'un cheval à l'autre chez Gallimard. Mot de la fin pour cet entretien. À l'autre, hein, d'un cheval à l'autre. Hein. Oui, cheval, d'un cheval à l'autre. L'autre n'est peut-être plus un cheval à la fin. Oui, j'allais vous poser la question pour terminer. L'autre n'est peut-être plus un cheval d'ailleurs, oui. Alors, le mot de la fin, Bartabas. Eh ben, j'ai rien à vous dire. Voilà, à très bientôt, voilà. Bon, je vous remercie. Vivement qu'on puisse retourner dans les théâtres. Ah oui, 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 bien sûr, et dans notre cercle. Alors, merci, cher Bartabas. Merci, mes chers amis. À très vite pour une nouvelle rencontre dans le cadre de La parole aux écrivains.